L'heure juste vous est présentée par Prince Craft, dominez l'eau. Thomas Marine, chez nous c'est 100% bateau. Pro Nature et Toyota. Salutations tout le monde. En ce début de mois d'avril, vous vous demandez peut-être où je suis. Vous devinez sans doute qu'on va faire de la pêche sur la glace. Pêche sur la glace? Début d'avril? C'est du braconnage, ça? Ben non, on est en Ontario. En fait, on est parti du Québec. On a fait plusieurs kilomètres sur le lac Abitibi, un lac immense. Maintenant, on est rendu du côté ontarien. Aujourd'hui, on va pêcher le doré sur glace. C'est une excursion qui a été organisée par la Bobinab Homme des glaces, évidemment, Luc. Et Félix Goulet, un de nos meilleurs pêcheurs sur glace au Québec, qui aujourd'hui est accompagné de sa conjointe Sylviane, qui est une passionnée de pêche aussi. On a encore plusieurs kilomètres à faire sur le lac. On va aller s'installer. Puis d'après moi, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'action. Qu'est-ce que vous faites? Ah, nous autres, dans l'heure juste, on est des gens polis. Les demoiselles d'abord. Il n'y a personne de ces messieurs qui va pêcher tant que tu n'auras pas attrapé un doré. Vous mettez de la pression pas mal, là. Je pense que ça va être correct si vous commencez pareil. On a le droit? Ah, allez-y! Les gars, on a le feu vert! Fait que dans le fond, en gros, comment ça fonctionne, Sylviane, là, c'est que tu es vraiment en direct avec le poisson. Évidemment, là, tu vois mon leurre qui bouge. Si tu vois un poisson s'en venir, on le voit très, très bien. Là, comme tu vois avec l'échelle en haut, là, zéro, c'est ma sonde. Je vais jusqu'à 5 pieds sur un côté, 5 pieds sur l'autre. Ça veut dire que j'ai une tranche d'eau de 10 pieds que je vois, donc une plus grande couverture que les autres systèmes de pêche blanche. Là, ma sonde est en mode horizontal. Ce que tu peux faire aussi, puis là, si on tarde à prendre des dorés, c'est ça que je vais faire. Au lieu de travailler vertical, ma sonde, je peux la mettre horizontale. Fait que là, je vais voir 50, 60, 75 pieds du trou. Puis là, je tourne ça. Fait que là, je scanne un grand cercle autour de moi. Si je vois des poissons, mettons, à 50 pieds là, je pars, je m'en vais me percer là. Puis je drop ça sur la tête. Fait que tu sais, c'est un outil incroyable. Yeah! Et voilà! Celui-là, c'est un plus agressif parce que... comme je m'amuse à dire, je les appelais avec mon leurre bruyant. Puis lui est arrivé là, dans le live scope, j'ai vu bien comme il faut. Boum! Sans hésitation. Hein? Petit doré noir! C'est mon premier doré noir du lac Abitibi depuis, ma foi, 30 ans, je dirais. Je suis venu pêcher le lac Abitibi quand j'avais, au début de la vingtaine, fréquentais une demoiselle de la Sarre. Fait que je suis venu jouer dans ce coin-ci. Je l'ai travaillé avec une cuillère avec des rattles dedans, avec des petites billes. Tchic, 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 tchic. Le poisson est venu à mon leurre, il n'a pas attaqué. J'ai changé de canne rapidement, tête de jig, mené mort, j'ai retourné ça, boum! Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Prince Craft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Prince Craft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes.
Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez l'eau. Lejuste.com, une véritable encyclopédie de la pêche avec plus de 400 vidéos. Effectuez des recherches par filtre, technique, équipement, destination, espèces et autres. Lejuste.com, vous n'aurez jamais eu autant d'informations sur la pêche à un même endroit. Chez Remorque Gator, nous avons tout ce qu'il vous faut. Toutes les marques et modèles de remorques, des pièces et accessoires, en plus d'un atelier d'entretien et de réparation. Remorque Gator, un service, des prix et des choix incomparables. Récipiendaire d'un prix d'excellence du service à la clientèle pour une quatrième année consécutive et composé de mécaniciens et monteurs certifiés, Thomas Marine est le plus gros détaillant Princecraft avec le plus gros inventaire de pièces et accessoires au Québec. Thomas Marine chez nous, c'est 100% bateau. Ouais, là, je pense que ça allait arriver comme une tonne de briques. Ah oui? Puis, on voit, regarde ma canne, comment elle est bonne à côté. Puis, c'est pas, tu sais, c'est pas vite, vite comme un gros brochet. J'espère juste que c'est un gros doré. Puis ça, c'est une canne... On voit les coups de tête dessus, hein? Ça me semble que ça augure bien. Ça augure très bien. Je veux juste y voir la binette. C'est... typique d'un gros doré. Nice! Ouais, monsieur. Pour être sûr de ne pas s'accrocher. Mon bas de ligne. Oh, oui. My God! Oh, oui. Oh, oui. My God! C'est incroyable! C'est tu vas-tu aller me bétail. Chercher dans nous? Oui, oui, oui. Malade! Oh, oh, oh. Non, touche pas à la corde. Vas-y, vas-y. Oh! Oh! Yes! Yes! Regarde, elle va être dans le coup de la Capitimi! Yeah! Malade! Hey, Félix, c'est ton poisson, je te le laisse. C'est pas. Puis, tu sais, je veux dire, tu sais, on parle de. Quoi? Il fait peut-être bien 5,5-6, là. Mais. C'est un poisson magnifique. Wow! Sur des petites cannes comme ça, hein, c'est tellement le fun, ça, tellement c'est agréable. Une action médium, mais fait que ouais. C'est. T'as un fun terrible. Je l'ai vu arriver sur le sonore, là. Puis ça a fait un gros signal rouge, puis ça fait boum d'un gros. Yeah! Regarde-moi ça. Ouais. Génial! Ouais. Puis comme on disait tantôt, là, lui, c'est plus facile de voir la tâche blanche. Oh, oui. Mais comme on disait tantôt, tu vois comment ils sont extrêmement pâles. Tu le travaillais-tu à ce moment-là ou t'étais revenu ouais. à ton trou? Là? C'est ouais. pas parce que t'as non, vu non, ta non, canne. Non, 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 non. Oui, oui, oui. Je l'ai fait monter au-dessus du fond, puis il a pas. Ça a fait boum! Wow! Ça fait moins d'une heure qu'on pêche, puis on a déjà un doré trophée. J'adore ça. Puis, je sais pas si tu as remarqué, tu sais, on parle des greenback walleye du lac Winnipeg, là. Ouais. Mais au lac Abitibi, ils ont cette tendance-là. Hein. Les greenback walleye du lac Winnipeg, c'est les sédiments en suspension dans l'eau qui fait qu'ils tournent à cette couleur-là. Mais les dorés du lac Abitibi, ils prennent quasiment cette teinte-là. Vas-y. Tu peux bien prendre ta canne pour pogner les poissons, hein? Yeah. Un petit doré noir encore. J'ai vu la canne pliée en deux mains, je pensais que c'était un monstre. Mais non, c'était pogné dans la glace. Va bien ta canne. Je l'ai vu arriver dans le live scope tout doucement. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment collés au fond. Fait quelques-uns qu'on prend comme ça, en fait, plusieurs des petits dorés comme celui-là. Puis des fois, c'est pas une mauvaise chose, hein, parce que les grosses femelles dorées jaunes aiment ça venir manger les petits dorés noirs. Hein? Puis peut-être que vous avez l'impression que c'est trop gros pour être mangé par un gros doré jaune. La réponse est non. Puis là, je viens de voir un poisson dans le live scope. Je vais me dépêcher de remettre ça à l'eau, même si mon mené n'est pas très beau.
Je vais aller y montrer. Il l'a lâché. Non, il est là. Fais chante. Un autre petit doré noir. Non, peut-être une. Oh, un beau jaune. Ah, ben, crime, pas pire. Oh, mais pas pire. Tu t'es fait pogner, mon taurier. Mais c'est ça, ta voix. J'ai ferré, puis probablement qu'il a remonté vers la surface. Fait que là, on a un parfait 16 pour faire des filets. Un beau petit doré jaune. On parle d'un 16 pouces. Parfaite grosseur. En passant ici, on est du côté de l'Ontario. La réglementation est différente. On n'a pas le droit à 6 dorés, on a le droit à 4 dorés. Donc, 4 dorés par permis. On peut garder toutes les grosseurs de dorés, il n'y a pas de limite inférieure. On a le droit à 1 en haut de 18 pouces. Fait que ça, c'est la grosseur parfaite pour manger. Félix? Oui? Moi, il m'inspire, ça. Ouais. Tu sais qu'on veut manger du doré pour souper, hein? Ouais. Tu comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? Ah, il va probablement finir en filet. Si notre ami Luc, il nous a pas joué un tour avec Elvivier, là. Quand on est sur une surface glacée comme ça, où il n'y a pas d'enfants, on est seul, on est dans les derniers jours comme ça, vous voulez vous préparer ce qu'on appelle un vivier de glace pour conserver vos prises, bien, c'est ce que j'ai fait. Donc, on perce des semi-trous comme ça, puis on fait juste défoncer avec la pointe de la perceuse. Et puis là, ben, on vient remplir le vivier comme ça. Donc, on a vu la belle prise que Félix a faite. Si toutefois vous voulez faire des remises à l'eau, vous pouvez vérifier si vraiment le poisson est en bonne forme. Il va nager là-dedans. Puis après ça, vous faites une belle remise à l'eau dans le sens où vous êtes certain que le poisson va s'en aller. Ou tout simplement, pour les gens qui veulent se faire un bon repas, on va s'en mettre dans le vivier. Ce soir, on sera prêt à les arranger pour passer à table, messieurs. Un doublé, puis ça semble être deux très belles truites. Oh, la canne est pliée! Et voilà! Fabriqué au Québec. Plaqué de métaux précieux. Qualité réfléchissante exceptionnelle. Les truites n'ont qu'à bien se tenir. Vous adorez les reportages, émissions et capsules de L'Heure Juste? Vous n'en avez jamais assez. Alors L'Heure Juste Premium, c'est pour vous. Reportages, émissions et capsules spéciales édition juste pour vous. Accès direct aux membres de l'équipe via des séances live et des formations en ligne juste pour vous. Recevez en plus votre casquette et t-shirt aux couleurs L'Heure Juste et bénéficiez d'escomptes chez certains des partenaires de l'émission. L'Heure Juste Premium, juste pour vous. Saviez-vous que toutes les embarcations Princecraft sont entièrement fabriquées ici, dans nos usines de Princeville, au centre du Québec? Chaque jour, plus de 300 employés unissent leurs efforts pour concevoir, construire et livrer des embarcations fiables et sécuritaires. De concert avec plusieurs fournisseurs locaux québécois, Princecraft met tout en œuvre pour s'assurer de la qualité de votre embarcation. En achetant un produit Princecraft, vous contribuez à maintenir plusieurs emplois et à stimuler l'économie d'ici. Princecraft, dominez l'eau. On le voyait en suspension, hein, Félix? Oui. Je suis allé y porter mon mini-bar, puis... Oui. Un beau doré. Oui. Good! Puis, il sort du fil. À mi-chemin entre le fond et la glace. Oui. En suspension, ce poisson-là. J'adore ce sport. Oh oui! Là, il a cogné. Oui. Non, doucement. Je pense qu'il est plus gros que le mien. Ouais, donne-y un petit peu. Élève-le, Félix! Oh yeah, mon dame! Yes, sir! La bête! Deuxième beau gros poisson. Oh. Et voilà! Regarde-moi ça, le beau doré! Malade! Puis, souvent, sur la Capitibie, entre deux eaux, même Dan, là, c'est des gros brochets. OK. Mais là, c'est comme... C'est ça qu'on voulait, fait que... Et voilà, déjà le deuxième, Félix, ça va être! Puis il est plus gros que celui-là de tantôt, hein?
S'il n'est pas plus gros, il s'en sort. En tout cas, s'il est plus gros, tu portes pas grand-chose, je te dirais, mais écoute, c'est des beaux dorés, là. Regarde-moi ça. Malade. Puis tu vois, regarde, lui, là, il a la teinte qui a comme vert, là, sur le dos, là, que je te disais, les greenback walleye, là, il l'a un petit peu. Absolument, absolument. Fantastique. Quand je travaillais un petit poisson près du fond, ouais. On a vu ce gros écho-là arriver en suspension. J'ai remonté mon menace à hauteur. Hein, on l'a vu faire comme ça, boum! Ah oui! Il n'y avait pas de doute, il voulait le timoner. Incroyable. Je suis très beau, Frédéric. Merci. Merci beaucoup. C'est très apprécié là, que tu nous fasses vivre ça. Malade. Félix, moi, quand je fais du doré dans les lacs du sud du Québec, assez souvent au milieu de la journée, particulièrement quand il y a un gros soleil de même, c'est très tranquille. Ouais. C'est vraiment le coup du matin, le coup du soir. Là, on vient de prendre deux superbes dorés en plein jour. Il est 11 heures, gros soleil. Il y a une raison à ça. L'eau, hein? La teinte de l'eau, l'eau est tellement foncée, c'est comme toujours la pénombre. Tu sais, la pénombre du matin, la pénombre du soir, sur la Abitibi, on a la pénombre quasiment à jour maintenant. Fait que c'est pour ça que les poissons vont rester actifs. Et je pense pas qu'il y ait ben des lacs au Québec qu'on ait une qualité de pêche comme ici au lac Abitibi à longueur de journée. C'est impressionnant, ça. Puis dans la région de l'Abitibi, ici, il y en a plusieurs des lacs comme ça. Là. Fait que ça veut dire que quelqu'un qui décide de venir faire un séjour ici en Abitibi pour pêcher le doré sur la glace, il peut s'attendre. Écoute, c'est de la pêche, là. Mais il peut s'attendre quand même à avoir de l'action tout au long de la journée. Ouais. Puis, quelqu'un qui n'est pas familier avec les lacs ici, toi, t'offres le service de guide sur la glace. Oui, ouais. Tout l'hiver, au doré, à tout ce qui nage. Hein? Tout ce qui nage. Puis oui, effectivement, le lac Abitibi, puis on a vu l'immensité du plan d'eau. Ça peut être intimidant là, pour les gens qui veulent venir essayer ça. Fait que oui, j'offre le service. T'sais, ce matin, on a fait 22 km de motoneige là, pour s'en venir ici. Puis j'offre tout l'équipement, les abris portatifs, même s'il fait froid, là, les abris portatifs, le chauffage. T'es équipé de A à Z pour que les gens passent une belle journée. Je sais que t'es venu guider peut-être une semaine ou 10 jours dans ce coin-ci. Juste pour le fun. Je comprends que c'est de la pêche, c'est pas toujours comme ça, là. Et vous avez pris combien de dorés cette journée-là? 111. Mettons qu'on n'a pas chômé. Le soir, là, on... Tout le monde était claqué, fatigué, mais c'est des journées mémorables. Puis là, on le voit, il y a beaucoup de dorés noirs, mais on a toujours de l'action. Puis à un moment donné, bang, une belle grosse surprise comme celui-là que tu viens de prendre. Il va venir m'attaquer, il va faire. Je le fais monter. Poisson! C'est malade, hein? C'est une vraie joke, ben voyons donc, ça c'est de la cage. Ouais, ça c'est de la cage. Et voilà! Mais ils arrivent près du fond, eux autres aussi, hein? Ah non, c'est hot, c'est beau, ça. On marche en tête avec ça. On s'amuse comme des petits fous. Ah! Cool! Good job, Luc! Petit jeune! Oh! Oui. Ah! Enfin, il est plus gros! Oh, on en voit un d'une belle grosseur! Sylviane a contribué au souper. Ah oui? Et voilà! Souper, regarde celle-là. Ben oui, Enfin! Sûr. Excellent! Poisson! Elle pas l'air vilain, les gars! Oh oui, je viens de voir la queue! Oh oui, on a un gros doré, Félix! Oh! Oh, il est parti! Regarde-les sortir du fil! Malade! Wow! Tu l'as-tu vu sur ton... Oh oui, il m'a attaqué, je l'ai vu comme faux. Avec la cuillère? Avec ma cuillère. Je l'ai fait monter jusqu'au milieu de la colonne d'eau. Hey, c'était beau, Félix, tu vas voir, j'y vais avec eux, là. Oh my God! Notre troisième gros poisson. Yeah! Le monsieur, il est content! All right! Puis check comment est-ce qu'il m'a... Hey, garde ta cuillère, hein? Il en voulait-tu? Mais, hein? Malade! Les dorés du lac Abitibi. Probablement que les deux premiers, là, je suis pas mal sûr, c'est des femelles. Puis ça, c'est un mâle, regarde comment est-ce qu'il est slim. Pour sa longueur, il n'y a pas de bédaine du tout. Récipiendaire d'un prix d'excellence du service à la clientèle pour une 4e année consécutive et composé de mécaniciens et monteurs certifiés, Thomas Marine est le plus gros détaillant Prince Craft avec le plus gros inventaire de pièces et accessoires au Québec. Thomas Marine chez nous, c'est 100% bateau. Elles sont superbes et elles seront redoutables. Ce sont les nouvelles couleurs 2021 et 2022.
Vous adorez les reportages, émissions et capsules de L'Heure Juste? Vous n'en avez jamais assez. Alors L'Heure Juste Premium, c'est pour vous. Reportages, émissions et capsules spéciales édition juste pour vous. Accès direct aux membres de l'équipe via des séances live et des formations en ligne juste pour vous. Recevez en plus votre casquette et t-shirt aux couleurs L'Heure Juste et bénéficiez d'escomptes chez certains des partenaires de l'émission. L'Heure Juste Premium, juste pour vous. Hey, il est midi et demi. Plein soleil. Regarde-moi les poissons qu'on prend. Puis on en voit continuellement passer dans le live scope. Là. Il y a de l'action. Là. C'est incroyable le nombre de poissons qu'il peut y avoir en dessous de nous. Ouais, c'est incroyable. Un lac extrêmement productif. Hey, il a-tu avalé la cuillère? Incroyable. Hein? Je pense que ça le gossait. Comment tu l'as appelé cette cuillère-là? Rattlin' Flyer Spoon. C'est Lindy qui fait ça. Oui, c'est Lindy. Ouais. Moi, c'est Samuel Tessert qui m'a fait découvrir ça. Puis j'en ai emprunté 3-4 avant de partir. Je suis dans l'eau turbide du lac Abitibi. Pour moi, c'est avec les. C'est assez brillante, là. Et voilà. Wow! Regarde, ça me fascine. Les nageoires, comment ils sont blanches, 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 blanches. Coloration qui est différente de nos dorés du Sud. Exact. Puis différente des aussi des dorés beaucoup plus foncés. Des... Habituellement, des dorés du Nord. Parce que. Un poisson, c'est caméléon. Hein. Il prend la teinte de la teinte de l'eau absolument, pour disparaître absolument. Le plus possible dans le, ouais. dans le décor. Ramassé en suspension, mes amis. Très beau poisson en cordon. Yes, sir. Et voilà! L'autre bout doré. Nice! Vraiment en suspension, ça me fascine de voir ça. Il était pas pantoute près du fond, ce poisson-là. Merci. L'autre beau doré. Là, j'avais mis une petite queue de menée après ma cuillère. Je vais mettre un petit peu de viande. Bah. C'est sûr qu'on est en plein cœur de la journée. Hein, fait que même si les poissons restent actifs, là, parce qu'on le voit, là, le soleil peut pas être plus haut dans le ciel. Là. Juste lui donner un petit peu plus d'odeur naturelle. Là, ouais, ça. Ouais, ça peut pas nuire. Ça peut pas nuire, c'est sûr. C'est ça. Puis, tu sais, comme c'est un petit bout de queue que j'ai mis, à peu près, mettons, 1/2 pouce, 3/4 pouce de long, ça dérange pas l'action de la cuillère, zéro, là. Bon, ben lui, je pense qu'il s'en va dans le vivier de glace. Ouais, monsieur. Oh oui! Ah, regarde! Là, j'ai la canne action légère! Regarde-moi ça! Fait que ça, c'était sur l'appât passif! Oh, ben oui, puis encore un beau dos. Oh oui! Oh, yeah! Puis lui, là, juste pour montrer comment est-ce que le fond du lac Abitibi il est plein de bouts. Ben oui, il y a de la vase sous la mâchoire. Probablement qu'il a piqué une course vers le fond, mais il n'a pas vu arriver le fond. Ça a fait boum! C'est bon. Il y a de la boîte. Hey, il s'est avalé, lui. Il voulait le mener, hein? Ah, oh, une autre belle grosseur pour le vivier de glace. En plein cœur d'après-midi. Ben oui, regarde-moi ça. Hey, c'est une des journées que j'ai eu le plus de plaisir à pêcher le doré sur glace parce qu'il n'y a pas de temps mort. On a eu de l'action depuis qu'on est arrivé. Il y a tout le temps quelqu'un à qui passe à la basse qui a un poisson sur son sommet. Exact, exact. Il y en a partout. Hey, il faut qu'il y ait une population de doré phénoménale ici. Incroyable. Avant qu'on ferme bagage pour de bon, je voulais vous parler de ma canne à pêche d'aujourd'hui. Ça doit faire, ma foi, au moins 25 ans que j'ai pas pêché avec une canne Sainte-Croix. Quand je l'ai sortie de l'emballage chez moi puis que je l'ai pris dans mes mains, j'ai comme fait « Oh, OK! » D'une légèreté, cette canne-là. Là, j'ai pêché toute la journée avec. Super sensible. Ça pèse rien. J'ai vraiment été impressionné par ces cannes-là. Vraiment sur la coche de A à Z. C'est la série Custom Ice de Sainte-Croix. Vous avez un achat à faire pour une petite canne de pêche blanche. N'hésitez pas à t'envoyer ça avec ça. Félix, tu nous as fait vivre une journée incroyable aujourd'hui. Je l'ai mentionné, tu offres le service de guide dans le nord de l'Abitibi, ici, pour la pêche sur la glace. Mais tu es au lac Ontario aussi. Oui. Deux fois par année, Daniel, le printemps à Niagara. Grosse truite grise, saumon chinook, saumon coho, truite brune. Wow. Puis au courant du mois de juillet, l'été, à Newcastle. À Newcastle. Pour le saumon et la stylette. Okay. Je vous le recommande fortement. Félix, je l'ai toujours dit, puis je vais le répéter, c'est un vrai. Aujourd'hui,
bilan final, ouais. Plus de 50 dorés ont été embarqués sur la banquise. T'es content, hein, religieusement. Ouais. Là-dessus, trois gros spécimens en plus. Puis plusieurs beaux poissons là, pour manger. Exact. Là, dans les 18-20 pouces et tout ça. Fait qu'écoute, merci beaucoup, Luc, pour l'organisation de tout ça, en compagnie de Félix. Un énorme merci. Ça a été un plaisir. Bien, merci, ça a été un plaisir de pêcher avec toi. Journée, même si nous, on était assez éloignés, là, nos trous. Vous avez le goût de vivre une expérience unique de pêche? Guide de pêche, Félix Boulay. Lors de notre séjour de pêche blanche en Abitibi, nous nous sommes logés à la pourvoirie chez Fern à Duparquet. Plusieurs chalets y sont disponibles à l'année et la pourvoirie se trouve à seulement 25 minutes de route du lac Abitibi. Notez bien que la pourvoirie chez Fern est située sur les rives du lac Duparquet, un lac d'une superficie d'une douzaine de kilomètres qui a une très bonne réputation pour la pêche au doré, que ce soit sur glace comme en eau libre. L'heure juste vous a été présenté par Thomas Marine. Chez nous, c'est 100% bateau. Pro Nature. Toyota. Et Garmin. Pour plus de contenu, suivez-nous sur l'heurejuste.com, Facebook et YouTube. Ne manquez pas l'émission de cette semaine. On est au lac Abitibi sur la glace et j'ai juste un mot à dire. Wow! Moi, je viens de l'Abitibi, de l'Abitibi, didididi. Cette semaine, on pêche le doré sur glace au lac Abitibi. Moi, juste un mot. Wow! Cette semaine, on pêche le lac Abitibi, doré sur glace. Juste un mot à dire. Wow! Moi, j'ai l'Abitibi, l'Abitibi.